What had happened? How long had they been in the cylinder's mind? It had felt like a short time to the Trebon, but when they returned, the world had changed. It seemed as if parts of the cylinder itself had spilled out, its dreams corrupting the land. The cylinder lay still, but there was no sign of the mathematician. Là, ça recommence, Dru, je vous expliquerai après. That the mathematician had been struck down meant nothing to it. It was the master. It was eternal. Its servants were only tools. If they broke, they would be tossed aside. Loup. Et on y go. Parce qu'on est quoi? On est un trébum. On n'est plus une famille, là, c'est fini. Non, c'est finito, la famille. It was the master. It was eternal. Its servants were only tools. Et je disais donc, je suis en enfer. Parce que ce tableau est particulièrement énervé. Et il va pas me faciliter la life. C'est quoi? C'est les fesses du mathématicien, ça? Ah, déconnez pas. Il y a des doigts, là. C'est le cul. Il y a un cul. Oh, non, 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 regardez pas, les enfants. Oui, alors ça c'est une fonction, je vais pas la prendre puisqu'elle me permet d'être électrique et de ranimer un trébum qui serait tombé à la bataille. Problème? Regardez autour, vous en voyez d'autres? Non, il y en a pas, ils sont tous morts. Doline, elle est morte. Chaos, il est mort. Pulpita. On l'a même pas enterré. Et qui c'est que j'avais? J'avais Xerator. Oui, c'est un mec très connu, il paraît. Eh ben, il est mort. J'avais Mister KV, il est très connu aussi, il paraît. Et bah, je crois qu'il est mort. Bah, il fallait de l'argent pour le ranimer, on n'en avait pas. Ah non, TBG, il n'y a pas 1,4 million de dollars. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de monde. Il y avait Tonton JP. Tonton JP, il est mort. Ça fait bizarre de dire tous ces gens qui sont morts. On va attendre, on va attendre. Oui. Parce que parfois attendre, c'est la sagesse dans l'orage magnétique qui nous recouvre. Il faut être et à la limite de l'orage et pas trop loin du cylindre, mais jamais trop près non plus, c'est mieux. Et on va y arriver. Elle est toujours là, ma tour, elle a pas bougé. Ouais, non, elle a pas bougé, ça va. On va avancer un peu. Ouais. Le jeu en ce moment joue énormément sur le fait que il cache un petit peu les tours. La précédente, j'en ai bavé un peu aussi. Elle a trouvé à sa visage. C'est pas une fesse cette fois, ça va mieux. Et pour la trouver, elle était dans le fog. Elle était planquée. C'était moche. On va attendre que ça avance un peu. Je vais me mettre en boule et roule. Roule ma quoi? Roule ma boule. On va se calmer un peu et on y va. On va faire un méga jump. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ayez confiance. Bah, comme tous les autres trébums qui sont morts, ayez confiance. Comment ça, ça rassure pas? Mais si, regardez. Hop là! On est bon, on est super bon. Je vais m'économiser, je vais translater. Oui, on va se déplacer latéralement. Et on va essayer de trouver, non pas une raison de vivre, mais un moyen d'être safe. Safe comme on l'a pas été depuis longtemps. Prends mon temps, hein. Hop, rien à péter. Et on roule. Oh, je crois qu'on est bon, là. Allez. Oh, je reste en ma tour, moi, je suis bien. Elle m'aura fait souci, cette partie de la map. Parce que, vraiment, 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 j'ai pas pigé le passage du premier coup. Je sais pas pourquoi, mais ce tour, bon, on verra. On va continuer d'avancer si on peut, pas trop. Alors, on est dans une zone où il y a des nouvelles créatures. Oui, c'est dur de m'entendre dans le bois. Ouais, je sais. Ah, pas lui, pas lui. Mon taxi volant. Je suis tout seul.
Il y a de nouvelles créatures, il y a de nouvelles choses dans l'environnement. Les gens qui ont réellement regardé le dernier épisode d'Eternal Cylinder de TBG, et ils savent de quoi je parle, le blob, hein. Vous vous en rappelez le blob qu'on a entreaperçu? C'était quoi ce truc? Moi je suis... Le voilà! C'est le blob! Il y a un katamari, les gars! Venez, on va jouer au katamari. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors faut se méfier parce qu'il a l'air sympa comme ça, mais il est pas tant commode. Et il se déplace en mettant... Il y a des petits serpents qui sortent, regardez. Putain, il va péter. Mais tu vas affoler qui avec la forme que t'as, bonhomme? You're not credible. Alors j'ai vu une lumière jaune, c'est pas bon, lumière jaune ça démute. Bon, ce blob on sera pas pote avec en tout cas. Mais oh, il prend de l'élan, il casse des trucs. J'ai du mal à pas rigoler avec cet animal menaçant qui pourrait me tuer en un coup. Oui les amis, c'est ça l'enfer. C'est avoir des trucs relativement choupis mais qui restent mortels. C'est quoi ça? Attendez, je vais reprendre cette transfo, elle est bien. Si j'ai le temps, ouais. On va en prendre deux, parce que deux, c'est mieux qu'une. Ah bah c'est pratique, ça. Ça mute. Ah, on teste. Puis on va vite se barrer, parce que là, je crois que j'ai des pas copains. Oui, des pas copains. C'est juste de la bouffe. Oh, je suis déçu. Alors, faut que j'arrête de m'affoler, puisque le cylindre s'est arrêté, enfin. Et on a le temps d'explorer. Et je vais pas foncer dans ce temple. Parce que je ne vais pas foncer dans ce temple. J'ai des recettes de mutation qu'il faudrait que je pratique un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Et... ça sent le piège, mais bon. Il y a pas mal de choses à faire pour s'occuper. Moi, je trace dans le jeu comme un goré, parce que le but, c'est de vous en faire voir un max. Oh, je veux savoir ce que c'est. C'est de l'eau. Ouais, mais ça mute. Oh, y a rien qui mute, je suis déçu. Beaucoup de nourriture, peu de mutation. Pour un trèveum, c'est plutôt... annoying. Est-ce qu'on va aller dans le temple? Ouais, bah, je crois qu'il y a que ça à faire. C'est quoi, ça? Je prends. Je suis un ouf. Non. Mais non. Eh les mecs, non. Pour autre chose. Alors c'est pas mortel, ça c'est la bonne nouvelle. Le petit crabe, j'ai pas essayé non plus. Ça mute. Oh, ça c'est vachement bien. On va se balader avant de rentrer dans le temple les amis. Oh, pousse-toi toi. Bah, t'aurais pu faire tomber les fruits de ça si on a un. Il revient à la charge, hein. Il insiste, je crois. Hé mec, t'es relou, je vais dans le temple, viens avec moi, on va dans le temple de la mort. Oui, c'est Monsieur K, il va au temple. Pour y faire quoi? Il ne sait pas. Et on va tous le découvrir ensemble. Sacrée période musicale quand même, non? Ouais, si. Ouh, purée, je suis où moi? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça? Ah oui, bah, ça attire le regard. Non. De l'eau. Non plus. Le jump, je l'ai plus vu que j'ai mes déplacements furtifs. The outside world had crept into this place as well. Maybe that is why the air smells so bad. Ah, ça pue encore. Maybe this place had become a tomb. Une tombe? Non. Et les enfants, venez! J'ai un truc à vous dire. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse d'éclore là-dedans? Et ils se défendent, hein. Vous avez vu ça? C'est des pros du léchouillage de membrane, ces gars. Ils sont fous. Bon, on va prendre ça, on va voir ce que ça fait. Si on me le propose à l'entrée, c'est que forcément il y a une utilité pendant le niveau. Pour se faire exploser encore.
les Glickballs. Donc les Glickballs, c'est eux, je crois. Et les gommes, les mecs. Non. Alors attendez, il y a un truc avec ça, il y a une blague. 1, 2, 3, 4, il me faut 4 machins là-dedans. Ok, on va les attirer là-dedans. Je finis mon petit tour ici, hein, des fois qu'il y a des bobos, des nunus à réré, cucu, pépé, réré. Alors mon trébum a fait un bruit très étrange. Après avoir mis ça dedans. Et voilà, c'est très curieux. Restez là. Bon, il y en a un, il s'est barré, mais on arrive à monter. C'est ce qui compte. Great success. Oula. Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Vous m'attendez, les mecs, hein? Non, vous venez avec moi, vous avez du courage. Ça, c'est un... Je sais pas vraiment exactement, mais c'est mort. Alors ça, je sais toujours pas m'en servir non plus. Non, là, j'ai un énigmatique à part. C'est un coffre. Attendez, les gars, me poussez pas, là, arrêtez. Qu'est-ce que je consomme? Ça, purée, mais j'en aurai plus après, c'est dommage. Bah, j'ai pas fini d'attirer du monde, donc j'attire eux. J'attire également les mouches. Mais il y en a pas là, ça va. Les mecs, laissez-moi passer. Il y en a encore là. Je vais les sortir. Oui, plus on est de fous, plus on rigole. Hop. Voilà. Oh bah, vous arrivez à sortir tout seul, les gars, c'est bien. Tu veux que je t'aide? Ouais. Ah, c'est comme des chats. Voilà, tout le monde est là, on est bon? Non, je te lâche, toi. Il y a un bumper. Vous voulez me suivre avec le bumper, les mecs? Regardez, il y a même les petites, la petite suggestion à côté. Oh là là. Je sais pas où ça va nous mener, cette aventure. Et là, il y a un truc qui pourrait servir à... Il faut du vent. Mais j'ai plus la transfo qui fait du vent. Vous voulez venir, les mecs? Non, mais c'est dangereux. Il y a pas de place pour tout le monde. Il y en a qui tombent. Vous tombez, là. C'est pas bon. Si vous tombez, je vais pas pouvoir réussir ma mission. Suivez-moi ici. Here. Here I am. Tadam, tadam. Faites pareil, les gars. Faites pareil. Ça va marcher. Non. On va en faire. Merde. Maintenant. Yes. Les mecs, venez, ça roule. Qu'est-ce que je fous ici? Faut que j'envoie ces trucs là-dessus. Ouais, c'est ça l'idée, c'est ça. On a l'idée. There's a plan. I have a plan. Les gars. Ouais, ils écoutent rien, je crois. Regardez, vous prenez les champignons bumper. C'est comme dans les flippers. Ouais. Et après, vous vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Everything gonna be alright. Yes. Oui, quand on a un truc dans la tête, on l'a pas ailleurs. Yes. Yes. Roule, ma poule. Où qu'on va? On va là. On y va quand? Pas maintenant. Je regarde 2-3 trucs. Ça suffira pas, là. Alors, pourquoi cette dalle n'est pas assez haute alors que j'ai un désir ardent de sauter sur cette plateforme? C'était le saut à la Monsieur Jones, mais version courte.
Poursuivez votre avancée, continuez de chercher de l'aide et des réponses. Le monde a changé, mais il reste certainement un espoir quelque part. Alors c'est vrai que le jeu apparemment semble loin d'être fini, puisqu'on a un slower géant, oui, l'espèce de serpent là-haut en haut. Une colonne à gauche qui nous sera bien utile. Faudra juste se rappeler en sortant que c'est à gauche qu'il faut aller si ça se remet à avancer. Et puis on va être content. Il y a même un trou, on dirait. On ira voir. En tout cas, ce salopard ne m'a pas mis de couveuse et j'en suis fort marat. Et très contrarié d'ailleurs. Et maintenant qu'on a visité ça, ben on n'a plus qu'à sortir. Il me faut d'urgence reconstituer une famille, un clan. Bon, comment je me suis fait fermer la porte? Pour l'instant, ça bouge pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise étant que je n'ai toujours pas reçu d'informations pour pouvoir recréer un clan, une famille. Et ça, c'est plutôt moche. Salut. Ouais, greu moi aussi. Et Yef, y a un truc en rocher entre toi et moi. Mais que t'es crétin. On y va. Non 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 non, pas dans le mur. pas dans la barrière magnétique, pitié. On va passer là-dessous, hein, lui, il va être trop gros pour passer. Moi je suis petit, je suis mignon. Et du coup j'arrive à me faufiler dans des endroits absolument improbables. Je vais aller voir ce trou. Oui, il y avait une espèce de trou, on a vu sur la carte, à côté de du temple de l'amour. J'y tiens. Et on va essayer de le trouver. Parce que ça peut être une exploration très lucrative. Oui, Lucrate, qui vient du vieux terme romain Lucrèce, qui... Oh, arrêtons avec tout ça, je raconte n'importe quoi pour faire semblant que ce soit un truc culturel. Regardez-moi ce trou. Est-ce naturel? Est-ce créé par les hommes? Est-ce créé par les trébums même? Ou même le grand architecte? Vous le saurez après cette coupure pub. Boing. Oh, ça c'est de la descente. Qu'est-ce que quoi? Gloup. Je sens que ça va muter les amis. Je brille dans le noir. Ah là là. J'ai récupéré une transfo, je sais pas à quoi elle me sert dans les médias. Surtout qu'il faisait pas nuit dans ces grottes, si vous avez bien regardé. Donc on m'aurait menti, on m'aurait spolié, on m'aurait dit des conneries. On le saura tout de suite. Oh, encore un petit bout là. Ah oui, non mais... Monsieur K ne lâche rien. Regarde, c'est pas un bonus avant de monter. Non. Bon bah on sort, on y va. Cet échec de sortie, bravo. Attends, il y a une plante que j'ai pas prise là. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est où il y avait les petits embouts pour le gaz. Ok. My bad, my bad. Alors, je sais pas si c'est très judicieux cette, ce phosphorescent. Et nous voilà sortis. Parce que si je vais être discret, on va me repérer de loin, je crois. Alors, on a fait notre petite mission annexe en récupérant ce truc. Je sais pas si ça aura une utilité à court, moyen, long terme. Maintenant, l'idée, c'est de repérer une tour, et puis de s'en rapprocher, et de se mettre dans son axe, et de se dire, tout va bien se passer. Tout va vraiment, vraiment bien se passer. L'autre option, ça serait de faire un peu d'archéologie. Mais alors ça, franchement, les amis, j'y crois pas. Et ce blob, il me fait rire autant qu'il m'effraie. Il y a des pages sages en poche de gaz, là. On va prendre le moins compliqué. Et ça, c'est quoi? Des péteurs. Ok, merci. Eh ben, dites donc, faut pas fumer chez vous, les gars. Non, mais je plaisante même pas. T'allumes un briquet, une allumette ici. C'est un wipe total, instantané. On y va. Go! Alors, je suis à côté de la tour. Il y a peu de risques, à moins qu'il me balance un précipice à la dernière seconde. Mais... Il n'y en a pas.
Ok, donc on va continuer de faire du... Ah, t'es trop loin, toi. C'est-à-dire que cette tour, elle a des probabilités de péter aussi, hein, quand même. Monsieur K, défaitiste. Non, juste méfiant. Ah, regardez les qui s'enfuient là-bas avec le truc flottant qu'on a délivré tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans l'épisode précédent. Juste pour le bonheur. Bon, il est pas super énervé, hein, apparemment, notre ami le... Enfin, notre ami. Ce damne cylindre éternel. Et maintenant, j'extrais de l'eau. Fantastique. Je vais avoir un super muté, mais il est tout seul le lone, les gars. Moi, je voudrais de la famille un peu. Oui, je me sens pas bien, là. Roule. Avancer nous. Non, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est bon. C'est bonbon. Est-ce que je fais de la cuisine pour me faire des mutations permanentes? Oh, le voilà, lui. Le grand slower géant. On va aller le visiter, hein, vu qu'il nous invite à ça. Et les mecs, faut pas bouffer autant de faillots, c'est dégueu. Je suis arrosé pour la peine, tiens. Espèce de trilobite raté. Je vais lui tirer ça dessus. Non, mais je suis cruel aujourd'hui. Plop, plop, plop. T'as vu ça? Il n'ose pas répondre, le mec. Il fait... C'est un très bon fêlé. Les très bons fêlés, faut s'en méfier. Bon, toi... Tu diras au stagiaire qu'on a repéré ce qu'il avait fait pour le développement de ce jeu. Hein, c'est lui ça. Ok. Oui, les behaviors, c'est pas ça. Quand il y a de l'ombre comme ça, c'est pas terrible. Hein. J'ai entendu grogner. Qui grogne? Oula, ça grogne beaucoup. Ah, c'est le blob. J'arrive pas à avoir peur du blob, c'est horrible. On va monter là-bas, il y a un temple avec des améliorations. Est-ce que je pourrais ressusciter quelqu'un? Je l'espère. Est-ce que je pourrais à nouveau être une famille? Dans mes rêves. Mais j'y crois très fort. Go. On y go. Ça passe. Ça passe, les choums. Oui, je suis un. Et il faut être trois. Alors, il me faut soit un hôtel pour ressusciter des gars. Soit une cage comme ça, intègre, avec un petit habitant à l'intérieur que je pourrais libérer et faire mien. Soit une couveuse avec un œuf, pas trop loin de préférence. On va tourner sur ce niveau, les amis, je vous le dis. Ça a beaucoup changé le Club Med, hein, depuis la dernière fois. Non? Un peu. En plus, je suis fluo, les mecs me voient venir à 400 km. Ils font... c'est quoi la petite lumière là-bas? Oh, de la bouffe! Un œuf? Oui. Oui. Une couveuse. Vous avez ça dans le coin, les gars? En général, quand tu mets un œuf, t'as une couveuse pas trop loin, quoi. Faut penser aux boulets, aux vieux. Et aux... Non, bon, d'accord. Enfin, c'est une couveuse, peut-être pas. Si, non, oui. Oh, c'est un truc pour ressusciter des potes. Et l'autre, c'est... L'autre, ça doit être le slower. Poussez-vous. Mais non, je vous aime plus, là. C'est fini. On va aller voir, hein. Bon, je sais que j'ai un truc pour faire ressusciter, là. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ça serait une couveuse au bout de ce trait bleu. Ce serait magnifique. Sinon, on va revenir à l'endroit où on fait ressusciter. Et on va se récupérer deux collègues, vite fait. Oui, je vous laisse deviner qui c'est qu'il y aura. Oui, il y aura lui, ouais. Non, elle, non. Et lui aussi, ouais, c'est ça. C'est un temple ou il y a une couveuse à côté, anyway, je crois. Oui. On y a été dans ce temple. Mais oui. Hop, ça, c'est pour Bibi.
Alors, il va falloir qu'on invente un nouveau nom de streamer très connu. Lui, je l'ai pas raté. Là. On a bon. Je l'aime bien, vous le savez, c'est mon fils en plus. Cette vieille légende qui tourne sur les internets, c'est pas mal quand même. On y va. Ah là 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 là. Je pourrais récupérer des glodules et ça me ferait la recette que j'ai en haut. Oui, des glodules. Regardez les petits pétales x3 avec la petite case marquée avec une croix rouge. Mine de rien, si je pouvais me terminer cette transformation en retournant voir ce que je viens de paumer, hein, l'endroit où on fait ressusciter des potes. Où je trouve des arbres, hein, pour ça. C'est dans les arbres que ça pousse, les glodules. J'appelle ça des glodules parce que j'ai vraiment pas trop d'inspiration today. Mais croyez-moi, ça va revenir. Ça risque de revenir. Ça peut revenir. Ça y est, revenu, ça y est. Je raconte n'importe quoi. Bah, vous avez vu le jeu dans lequel on est, merde. Ah, quand même. Qui qu'on ramène? Bah, ça, vous le savez tous, qui on ramène. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas tant de très bonnes que ça, mais... Alors les sales cons sont encore là, mais on a perdu Chaos. C'est pour de bon, quoi. Chaos is dead. Bon, prochaine couveuse, on fait un Chaos. Sinon, ça va barder. Je pourrais faire revenir Wem pour la peine. Ouais, j'en ai marre des streamers, parce qu'ils parlent pas, ils font rien, ils viennent juste pour le loot, quoi. Wem. Chéchouné, Wem et ma gueule. On va pas être bien là. Regardez-moi ce team de winners. Maintenant, on va retrouver le portail. Je sais plus où il est. Regarde les trucs bleus, on sait jamais. Ça se trouve, c'est toujours au même endroit. On y retourne. Et si je croise un arbre pour choper cette transfo finale, ce serait cool. Vraiment, très, beaucoup. Merci. Envoyez vos chèques à l'adresse suivante qui va s'afficher en bas sur le bandeau. Ah, il y en a encore un Fireclaw là-bas. On y va. J'ai plein de thunes. Ah oui, mais il y a un blob. Oh, on s'en fout du blob. C'est pas un blob qui va nous faire peur. On est quoi? On est des tribums. Non, on est une famille. Vous allez voir ça. La famille va repartir à l'attaque. Ah, mais il est vide ce truc. On m'aurait menti. Ah, vide de même pas de grenier. Oh, merde, je suis déçu. Là, vous voyez pas la taille de ma déception, mais elle dépasse les 47 pouces. Je vous le dis direct. Alors, une belle vue de l'avant. Oh, regardez-moi ça, carte postale, les amis. Attendez, je vais éteindre. Je vais changer de trébum. Carte postale, c'est magnifique. Ta-da-dum, ta-da-dum, ta-da-dum. Allons-y, au lieu de dire des conneries d'enfer d'ailleurs. Une petite transfo un peu unique ici, il n'y aurait pas. Regardez l'ascension que j'ai fait pour arriver à atteindre ce point culminant. Même dans HZD, j'ai jamais fourni autant d'efforts. Non, toujours pas. Ok, allez vous faire cuire. Cuire, reluire et caluire. Ah, il y a beaucoup de blobs dans le coin apparemment, c'est la tendance. Hein. C'est quoi ces espèces de crottes sur le sol? C'est des crottes sur le sol ou des trucs qui se bouffent? Ouais, moi je suis... Oh putain, il y a notre œuf! Moi je suis moderne, je voyage en montgolfier. Ramasse cet œuf. Good boy. Oh, c'est magnifique. Ce stream, on va l'appeler une famille à moindre prix. Je trouve que ça va très bien. Alors il me faut ma couveuse qui est quelque part dans le wink. Dans le coinc, dans le zoinc, dans le boinc. Je sais pas qui c'est qui nous fait du raf là, mais c'est pas terrible. Alors il y a un petit temple pour sauve up qu'on pourrait prendre aussi, mais j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Moi ce que je veux c'est ma couveuse. Pour avoir un vrai clan, un vrai crew. Bref, être le winner du coin. 1, 2, 3, on en a perdu en route déjà. C'est pas terrible ça les gars. Ah bah on va l'appeler comment lui? On le sait tous. Allez go 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 go.
Oui, prorogation gratuite. Zoblivio. Chaos Zoblivio. Il aime bien qu'on dise son nom en entier. Ah, comment ça, c'est un peu bâclé. Là, on peut ouvrir maintenant les choux. Mais on va les sauver dans le temple, hein, si c'est possible. Alors, je sais pas si c'est le temple que je viens de faire préalablement. Ah non, mais c'était juste le symbole au-dessus, tête de... Quoi ? Tête de oiseaux. On se met là, mais vite, parce qu'il y a un croc en bouche à côté, là. Allez, croc en bouche. On va y aller, hein ? On va y aller, là. Suivez-moi, les gars. Les gars, suivez-moi. Sinon, vous allez servir 4 heures et ça va pas être terrible. Entrons dans la grotte de l'ancêtre. Il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui. Je sais. Mais... Oui. Je suis sujet à un problème. Pourquoi il a craché mes champignons? Il doit avoir une espèce de... Bon, je sais pas. Ils ont faim, en tout cas. Mangez, mes petits, mangez. Il faut. Et on va avoir besoin de place pour muter. Oui, pourquoi? Bah, parce qu'on est coincé dans un temple. Ce temple est plein de choses. Ouais, plein de choses. Mais pas ce que je veux. Non. Pourquoi? Parce que Monsieur K a une idée. Ouais, j'ai oublié ça. Oui, on va ramasser. Hein, c'est pas une question de faire les pinces, c'est une question que des morts va y en avoir d'ici la fin du jeu. Donc, qui peut le mieux peut le pleut. Tu avais pas eu ça? It made them think about time and how it changed everything. The old world had passed, and now the new was struggling to be born. Bizarre. On n'est plus à une bizarrerie dans ce jeu de toute manière. Donc apparemment, cet engrenage, tout ça, il va falloir qu'on s'en occupe. Qu'on fasse quelque chose avec. Qu'on interagisse. Ah, regardez. Tip-et-t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 ip-
Alors, je vous rappelle que dans les anciens trébums que j'avais, j'avais Tupu, Tuchling. Et il serait donc naturel qu'on ait Tuchniouf. Voilà. Me demandez pas pourquoi, c'est logique. Il y a ce dessin qui m'avait titillé, puisque on nous montre ça avec des champis autour, on dirait. Et un gros trébum en tête de flamme. Oh. Là, j'ai un coffre. Et dans le coffre, il y a de la nourriture. Une nourriture qui permettrait de... Bah, qui c'est qui va goûter, les gars? Vous êtes plein de... Je sais pas, de transfo, vous êtes minables. Attendez, je vous le crache. Peu. Non, je l'ai avalé, merde. Ok, je peux quand même créer... Il m'a pas niqué mes transformations préalables. Et je peux donc mélanger ce que je bouffe pour en faire des projectiles. Alors l'intérêt, bah, il est où? Il est que... On va changer de trébum. Toi, tu vas devenir... Tu vas stocker du carré, on va en avoir besoin. Non, mais je te le dis, résiste pas. T'auras une bulle au cerveau et tu sais bien. Qui mange ça? Il y en a, ils ont les poches vides, là. Je le sais, je vous ai vu. Sûr. Voilà. C'est plein de nutriments, c'est très bon. Et les gars, on peut faire la transfo définitive en haut. On l'a fait, on l'a fait. Oui! Alors je vous rappelle qu'en haut à gauche, il y a une recette qui est affichée pour avoir une transformation de manière définitive si on l'applique. Et est-ce qu'on va se gêner? Est-ce que j'ai une tête à me gêner en fait? C'est laquelle? Oui, il faut que je la retrouve, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était une de celles-là. Celle-là. Tadam! Tadam! Cette fonction est désormais nôtre, et il faut que j'en prenne une autre. Boing. Là, cette tête de trébum là-bas. Elle est un peu chelou. Et ça, on n'en a jamais eu, c'est quoi? Oh, ça se casse contre un mur, ça. Ouais. On va le casser contre un mur, voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est donc? Je peux voir à travers les yeux des statues très bamiem. Activons cette mutation. Et que vois-je? Je vois... Je vois... Un autre ingrédient pour voir, mais... Surtout, je vois que... Il y a cette statue qu'il faudra activer, jeune Trébum. Oui... Suivez ma recommandation. Cette statue que je viens de prendre en possession, et qui est désormais mienne donc. Mais ce n'est pas suffisant, je vais prendre celle-là. Et ainsi de suite. Je m'attendais pas à ce genre de gameplay. Je me suis fait avoir comme vous les amis. Hop là. Oui, on va faire des jumps, et peut-être qu'au bout d'un moment, la bobinette, je ne sais pas quoi. Mais elle va faire un truc. Donc là, il jette de l'eau pour faire tomber la boule. Ok, on le note pour plus tard. Ah, il y a une statue en face. J'allais dire c'est capillotracté, mais non, pas forcément. C'est juste que... Voilà. Bon, les gars. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a l'ancien, là. L'ancien, je le vois. Qu'est-ce que je pourrais faire sur ce mécanisme? On aurait pas eu ce problème avec une montre à quartz. Hein, moi, je veux pas faire mon médisant, mais voilà. Là, je suis en bas à fond, je pivote, je peux reprendre cette statue, mais ça s'arrêtera là, les filles. Et si je monte en haut, j'ai le plafond, et au plafond, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Non. Quitter, ouais, ça va être ce qu'on aura de mieux à faire. Bon, en tout cas, on a une indication sur cette pendule, hein. Plutôt que de dire des conneries, on a le point en haut. Un rond à gauche, plutôt 10 heures, et un rond, un demi-rond en bas, plutôt 8 heures. On va garder cette info de côté. Peut-être que...
Alors, reprenons tranquillou. La porte ne s'ouvre pas parce qu'il faut deux trucs sur les bords qui ressemblent à des sphères mais qui sont un petit peu plus compliqués et j'ai pas vu. Hein. Donc, soit il faut les fabriquer, soit il faut tomber dessus. Et ça va pas se décrocher du plafond tout seul. Hein, des hypothèses stupides parfois mènent à des créations tout à fait dantesques. Pensez à la tarte tatin. Et oui, ça a été créé sur un échec. Faut y penser quand même, les gars. Donc les gens qui vous font la leçon avec les réussites dans la vie, faut arrêter. Donc l'idée, ça serait que je regarde ça quand je suis là. Celui qui est comme ça, il est en bas. Et maintenant, on est bon. Non? Bah, forcément, on va être bon. J'avais dit qu'il serait sur 7 ou sur 8 heures. On va dire 7 heures, hein, comme ça on pourra avancer d'un cran si c'est pas bon. Hop. Il s'est pas arrêté, ce con. Je suis triste. Mais alors là, je suis vraiment triste. Oui, bah dis pas Yahoo trop tôt, mon bonhomme, tu vas voir. On n'est pas sorti. Le cul des ronces, comme dit l'expression populaire. Encore un peu. Poussez-vous derrière moi, là, vous me faites déconcentrer. Il est bon. Next. Tipatati patata 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 patati tatapa. Non mais c'est bon là. On l'a bien. Il y a sûrement un des ronds qui s'allumait à côté. Oui, j'y crois. Fermement. Boing. À moi, 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 moi. Donc là, un des premiers trucs à caser. Et il nous manque le second. Alors pour trouver le second, je l'ai même pas identifié dans le tableau, je vais être très clair. Alors lui, il me dit quoi? À l'autre côté, je vous rappelle qu'on avait une boule qui était coincée, mais il fallait balancer de la flotte. Ah, ça va peut-être revenir, monsieur K. Allô, allô. Il y a une boule coincée de l'autre côté, mais le symbole me dit je peux peut-être balancer de la flotte. Ça y est, je reconnecte mon neurone. Oui, je vous rappelle que monsieur K ne fonctionne avec un seul neurone. C'est très risqué, ne faites pas ça chez vous. Mais voilà, c'est... donc il faut qu'on crache de la flotte, les mecs. Regardez. Regardez-moi. Faites comme moi. J'ai entendu ding. Wop, wop, wop. On est bon, les mecs. On est des dieux. On est des godlike. Oh, j'aime quand un flanc se démoule parfaitement, comme disait Hannibal Hamster. Comment ça, je trafique les noms? Mais non, c'est vrai. C'est le vrai nom de Hannibal. Il voulait plus qu'on le confonde avec le mec qui bouffe les gens. Donc il a demandé à changer. Et maintenant, c'est Hannibal Hamster. On va regarder les derniers épisodes, je vous jure. Plop. Bon. T'as du boulot, toi. Allez, on y va. Ouais, tu schnouf. Pousse-toi. Il est con. Tu schnouf. The man of the situation. Vous avez un problème? Appelez Tuchnouf. Avec Tuchnouf, une porte verrouillée de l'extérieur, c'est solutionné en moins d'un quart d'heure. Ou remboursé deux fois. C'est magnifique. C'est pour sortir? Non, bah j'ai pas envie de sortir tout de suite parce que on va bien ratiboiser tous les bonus qu'il peut y avoir. On s'est quand même pas donné toute cette peine pour faire du tourisme. Alors dans cette salle, qu'est-ce qu'il y aurait que j'aurais pas récupéré en scrod? Ça, c'est quoi? Il y a bien une connerie à faire avec ça. Non, bah non, la connerie, elle a été faite. Il y avait dessus ça et ça. Et pff, on peut pas emmener la sculpture en souvenir. Ah, oh, vous êtes... Bon, on va la casser. Bon, on la nettoie parce que... Hommage, on y va! Oui, monsieur K a perdu un petit peu de temps. J'en conviens. Il est peut-être temps de se faire la paire. Deux secondes. La pince? Non, pas du tout. Interagissons avec l'ancien. The Trebon were relieved to find an elder alive in the cave. But what she had to tell them was sobering. The end draws near, my friends, the elder said. The mathematician may seem dead, but the servants of the Cylinder are not so easily defeated. I can feel your despair, but trust me.
There is light where you see only darkness. You have accomplished a great deed for our people. You have reclaimed our powers from the cylinder. No one has done such a thing before. Now you need only board the floating palace and leave with the secrets of our kind restored. But you cannot do this on your own. You will need the help of our oldest friends. Find the creatures that feast on the fallen Trawala and steal from them what they have stolen. With that ingredient, you will acquire a great power, the power to communicate with the Trawala. They are the only ones who can lift you into the heavens and carry you to your salvation. Tout est clair, tout est limpide. Et vous ne voyez pas, grâce à l'absence de webcam, mon air hilar sur cette nouvelle partie de quête qui nous attend et qui ne manquera pas d'être épicé, bien entendu. La sortie, merci. Hop, on y va. Ce jeu, ce sera l'expression que j'associerai à The Eternal Cylinder. Ce jeu, point de suspension. C'est vraiment très agréable d'avoir ça dans le paysage des sorties jeux vidéo de cette année, parce que on s'emmerdait entre les FPS, les point and click, les jeux d'horreur scriptés à l'abus. Creature they were looking for. What an enormous monstrous beast it must be to devour the mighty Trawala. Moi je pense c'est un blob. Just imagining such a creature was frightening. But they had never let fear stop them before. And they wouldn't start now. On avance, vous êtes sûr? Sûr, c'est votre dernier gnagné. On avance, hein, j'entends des trucs pas contents. Oh là là. Faut pas foncer tout droit, les gars. On est bon parce qu'on a le bon axe. On est crédible dans la direction. Niveau distance avec le cylindre, ça se passe bien. Température de l'air, 32 degrés, un peu chaud. Hein. Hygrométrie, dans la normale. Moi je dirais, ah, faudrait qu'on prenne ça, for the road. Ça vous plaira, les gars. On prend pour vous. Non, je voulais pas ça, putain. Oh, on se casse, on n'a pas le temps. Oh là là, j'aurais jamais dû m'arrêter là. Une autre fois le truc là-bas. Oi oi oi, mais il trace le gros. Il est en forme aujourd'hui. On devrait être bon. On a la bonne stat là. Ouais, c'est bon. Ah, je voulais prendre des graines qui font voler. Pour essayer de choper la transmute normale. Qui veut faire je t'ordonne de t'arrêter? Moi. Ok, vas-y, mais vite. Je t'ordonne de t'arrêter. Et alors, ça fait du bien? Ouais, oh, j'aime bien. Refile-moi les. On y va. Oh là là, ça sent le démutator ou le truc qui nous fait léviter. Ah, celui-là, faut pas prendre de taxi rose. C'est mal, le taxi rose. Non, c'est très mal. Il va nous mâchouiller, nous aspirer, nous mâchouiller. Et pas tendrement, méchamment. De telle manière qu'on ne survivra sans doute pas. Hop, suivez-moi, il y a the plan. Là, j'ai aucune crédibilité, mais les mecs me suivent quand même, c'est ce qui compte. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette zone? On va essayer de trouver la fameuse bestiole dont l'ancien nous a parlé. Et nous allons trouver une solution à tout ce chaos. Regardez, il y a un visage ici, on dirait. C'est un visage. Ça a l'air d'être fait pour qu'on visite. Faudrait-il se retenir? Regardez-moi cette chose. Qui veut goûter? Il me faut un goûteur. Allez, goûteur. Ça, c'est un... Attendez que je retrouve. C'est un... Voilà, tout est écrit, j'ai même pas raconté. Donc là, on va passer discretos. Pas énerver le blob. Parce qu'on est exposé, là. Et on va aller voir ce que c'est, ces tics. Et si nécessaire, les faire péter. Ah ouais, parce qu'on est des très bums. Non, on est une famille! Oh, ta gueule!
Hop, hop, hop. C'est pas si simple à manier. Oh, je crois qu'il y a des cristaux en dessous. Il y a l'air d'y avoir quelque chose d'intéressant. Alors, je vais faire la fripouille. Si je tire ça, là. On a réussi à en péter un, les gars. J'assure comme un dieu. Donc, je sais que ça, c'est destructible, maintenant. Et je crois qu'il a des tics dans les narines, le gars. Les Glick Balls, ouais, mais on en a pas besoin dans les médias, des Glick Balls. On a survécu sans, on peut continuer de survivre sans. Maintenant, je ressemble à rien, je crois. On va l'explorer. Oui, c'est notre lot à tous. Oh, magnifique. Un nouveau membre. Dans le chat, je vous laisse préparer les surnoms pour l'inspiration, le nickname. C'est parti. Têtu, non, ça n'ira pas, têtu. Il y en a qui rigolent dans le chat. Je les comprends tout à fait. Mais j'ai dit que ça n'irait pas. J'ai des idées très maléfiques. On a dit pas de politique, donc ça va bien se passer. À la limite, des noms de streamers. Mais là, j'en ai plus, du coup. Si, j'en ai un. Biftecator. Et voilà, il va pas nous faire un falafel pour ça. Hein. C'est parti, les amis. Alors, on a Biftecator avec nous maintenant. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de bad? Beaucoup de choses. Il est où? D'ailleurs, on va passer sur lui, il doit avoir le ventre creux. Regardez-moi, il est vide comme une noix de coco. Ah, bouge. Bon, bah, si tu sais pas monter, fais au moins une descente, quoi. Fais un truc sympa. Mais faut monter, il y a plein de diams. Et le diams, tu sais, comme dit Catherine Lara, oui, que des rêves de vieux. Oui, c'est la roqueuse de quoi? La roqueuse de Trebum, bien entendu. La roqueuse de Trebum. Je vous aurais tout fait, je crois, avec ce jeu. Mais c'est sa faute à la base. Est-ce que vous vous attendiez à en arriver là, honnêtement, entre nous? Alors, faut que je vérifie un truc, si la paroi, le champ magnétique est bleu, ou s'il est rouge. S'il est rouge, c'est qu'on n'a absolument pas le droit d'avancer. Ah, faut que je prenne ça, je peux me transformer pour qu'il me suive. Est-ce qu'il y aura un intérêt? Il est où, celui qui a la transfo? C'est pas toi. Je crois que c'est toi. Non. Qui c'était? Nom de Zeus, je sais plus. Chaos Oblivio, à vous. C'était pas toi qui avais cette transfo? Non. Bah, j'ai rêvé. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être un très bon dans ce jeu. Parce que j'avais une idée par rapport à ça. Par rapport à ces plantes qui permettent d'avoir les trucs dans les œufs là qui vous suivent. C'était d'attaquer mais la grosse bestiole, le blob avec. Il y a plein de choses qu'on peut prendre le temps en fait d'essayer entre les niveaux, à propre pas m'en parler, mais si on considère qu'un niveau c'est quand le cylindre se remet à avancer. Et du coup, le jeu est blindé quoi, vous pourriez passer votre vie à tout essayer, parce qu'il y a plein de recettes. Il y en a qu'on prend vraiment pas le temps, parce qu'on est curieux, puis moi je veux vous faire voir le jeu, donc j'avance, je trace comme un sale. Mais ça, c'est du fossé. Le jeu est vraiment très très rigolo pour ça. On va faire le tour, les gars. Suivez-moi. Comme d'hab, I has a plan. Alors, j'ai pas fait gaffe qui vient de prendre le lead, mais ça va être terrible. Il faut qu'on passe en face, qu'on aille dans la tour. Mais pour aller dans la tour, c'est caché là, les mecs, il va sortir. Dites rien. Il a rien calculé, le goût. Qui c'est qui va lui piquer sa perle? Toi, non, toi, non, ah, j'y vais, moi, vous faites chier. Oh, y'en a marre. Le
beaucoup de mélange de musique. Alors je vous rappelle que cette musique, c'était le truc qui vole au-dessus, qui pouvait nous surprendre. Influence insuffisante. Oui, je peux pas agrandir mon groupe au-dessus de 7. Je suis un influenceur, mais 7, c'est le maxi. Il sort de sa truc, lui? Oui ou même... Non. Yes! Les amis, je vais enfin pouvoir vous faire rire si on survit à tous les hostiles du coin. On y va, vous êtes prêts? Faut que je trouve un truc solide. Ça. Yes. Oh, magnifique, regardez bien. Ah, mais c'est pas la même mutation? Si. J'ai eu le revêtement Disco Wiz. Oui, ils l'ont un petit peu modifié en fait depuis la bêta. Et c'est une transfo que j'avais. J'aurais pu vous faire voir parce que je l'ai croisé plusieurs fois. Mais je voulais absolument pas vous spoiler parce qu'elle est tellement trop inutile. C'est parfait. Stratégiquement, il y a un autre moyen de traverser, hein, c'est de se faire choper par la bestiole. Il y a le risque que quelques membres de la famille se fassent bouffer pendant le trajet. Et qu'elle nous fasse traverser la flotte, ça c'est une autre possibilité, mais nous on est des warriors. Non, on est une famille! Ouais, c'est vrai que t'as raison. Qui c'est qui a crié ça? Deline encore? Elle arrête pas de crier pendant les streams, c'est terrible. Oh, cette musique à la FF. Comment ça, c'est pas du tout de la musique à la FF? Chut, laissez-moi rêver. Bon, notre traversée va être. Très animé, je présume, mais on devrait y arriver. Et j'ai l'air tellement sympathique maintenant que personne n'osera m'agresser. Non. Est-ce qu'on est à peu près dans l'axe de cette prochaine tour? Ouais, il y a encore de la flotte devant, moi ça m'inquiète. Vous peut-être pas, mais on y va. Bah oui, je crois qu'on a du monde aux fesses. Elle est sur une île. Ouais, oh putain. Si ça sent la galère, non. Avec un peu de bol, ils ont prévu qu'on pouvait faire un jump and run au milieu, ce serait sympa. Pour les gens qui avaient prévu de faire un jump and run. Qui ça, moi? Ouais, un peu. Regardez ce bout de jump and run que je vais faire. Et run. Non, parce que là, lui, il va pas attendre. Donc tu runs. Tu cherches pas, tu runs. Il n'y a pas de négociation. Ah, mais rentre pas dans les objets du décor non plus, ça marche pas ça. Et wing. Oula. Ça va être chao. Ça va être ultra chao. Oh les mecs. Non, pas la chute infinie à travers le décor. The cylinder would consume everything. Double fail. Bon les gars, je vous abandonne. Tout le monde est mort, sauf moi, parce que moi je fais la chute infinie à travers le sol, comme dans les vieux jeux Unreal. Salut Unreal. Salut la team dev. Ouais, il est bien votre moteur, mais comment dire? Ce bug, on n'était pas supposé s'en débarrasser depuis le temps. Allez, déconnez pas. Bon, je vous fais coucou. Hein. Bonjour, c'est Monsieur K. Vous êtes bien dans The Big Game of Ski. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir non seulement The Eternal Cylinder, mais un bug qui était supposé avoir disparu des moteurs 3D depuis des lustres. Et apparemment, il y a toujours sa place. On se retrouve tout de suite. Ça s'arrête cette chute un jour ou pas. On peut le faire. Ouais, moi je dis on peut le faire. Beefsteakator. Et on n'a pas réussi à passer à travers la tour, donc c'est foutu là. The cylinder would consume everything.
Monsieur qui raconte le Motor Unreal Engine, troisième. Mangez bien les enfants, mangez bien parce qu'il va y en avoir besoin. On avance parce qu'il y a des énervés dans le coin. Alors j'en profite pour observer si par la droite ça passe pas mieux, mais non, c'est encore pire. Donc c'est vraiment un chronométrage, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient fait accélérer exprès le cylindre sur la fin de la course. C'est pas très fair play, et d'une. Et on n'a rien pour le voir venir. Donc je vais tracer là, je vais faire un parcours sans faute. Garder le silence dramatique jusqu'au bout parce que on en a quand même à moins on en a quand même un peu bavé pour arriver jusque là, je vous le dis. En tout cas, la chute infinie à travers le moteur Unreal, c'était ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé et c'est très très rigolo que ça arrive encore. Enfin, très rigolo, c'est de l'ordre du relatif. Eh, tu t'arrêtes? Ouais, non, j'ai arrêté le je vous ordonne de vous arrêter, c'est c'est beaucoup de cinéma pour peu de résultats. Mais ce serait quoi donc? Je peux plus agrandir la famille, donc c'est pas la peine d'aller voir là-bas si on peut ramener la bestiole qui est dedans. La faire joindre la troupe, ça ne sert à rien. Et il me parle d'une nouvelle créature donc. Qui va pas me mettre sous le nez en évidence, bien entendu. Mais dont je pourrais tirer l'essence. Quel est cet arbre étrange d'ailleurs? C'est un truc de gourmet. J'ai chouné, tu vas t'y coller? Non. Chaos? Non. Fantomas? Bah Fantomas, il n'y a que ça à foutre. Regardez-moi ça, ce petit estomac tout creux qui va se faire un plaisir de tester cette mutation. Ah oui, qui est pas celle qu'il fallait prendre. Ok, je m'en rappelle. Mais qui permet de casser le décor. Et là, j'ai ces machins-là. Ouh, si je trouve le petit bonhomme, regardez ma recette en haut. Ça va nous avancer sérieusement. Ah oui, on va prendre du bonheur, là. On va prendre du plaisir, même. Ouh là 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 là, je suis à une mutation de l'avoir en définitif. Ce serait magnifique. Donc j'ai trouvé une nouvelle fonction, mine de rien. Oui, il m'est possible maintenant de récupérer des objets qui seraient un petit peu en hauteur dans le décor pour m'ennuyer. Que de bonnes nouvelles. Enfin, c'en est une en tout cas. Créature, créature, créature. Un truc immense? Non. C'est pas obligé d'être immense, hein, le truc qu'on cherche. C'est pour être un tout petit poisson. Oh putain, regardez! J'étais focus sur mon dernier élément à trouver. Strange place, the Trebum thought. Voilà. But even stranger were the feelings that stirred in their memories, like a voice from a lost world long ago. Les gars, j'ai cru que j'ai trouvé les réponses. Non, t'en as trop pris, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est? Des vestiges d'une civilisation passée? Mais non, ce n'est pas possible, y'a personne d'aussi con pour fabriquer ces objets. Qu'est-ce que what? Il se passe des choses? Au nom de Dieu! Revoilà l'autre con! C'était pas prévu sur le script, les gars. Alors que faire? Their worst fears had come true. Ah! The mathematician was alive. And now he had brought forth this weird no! monstrosity. The nightmare never end. Il nous a débuté comme un Tarbator. Bougez ma horde, bougez mes choumes, on se cache. Bringing down this towering monstrosity seemed almost impossible to the Trebum. But all problems have a solution. If you're clever enough, and this one was no different.
The creature grabbed at its prey so blindly and so greedily, it could be made to absorb almost anything. Il y a une histoire avec les Big Balls là, les gars. Avancez, 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 avancez. The Trevon could use one of their mutations to create an explosive solution to their problem. Mais on n'a pas la solution. Frag, yes. Bon, là voilà notre réponse. Enfin, mais c'est un peu tard. Et du coup, il ne reste plus grand monde. Et du coup, ça va être compliqué. Et du coup, faudrait pas que je meure. Derrière la tête, je l'ai pas ailleurs. C'est comme ça, et puis c'est tout. The Trevum decided that this was not the sort of place where they might find a creature capable of eating a Trawala. No, this place was tainted. Nothing alive would want to stay here. They would have to continue their search for the great beast. Ok, un combat pour pas grand chose, c'était pas lui. En tout cas, il nous a mis la tension, le bourg. Pas simple à dégommer. Alors, je sais pas ce qu'il y avait à faire avec les autres créatures. Oui, celles qui sont dans leur membrane. Et on a eu des victimes dans la famille, là. Les gars, vous nous avez pas servi à grand-chose. On est déçus. On en a gros. Petit bonhomme, où y es-tu? Viens, petit bonhomme. Te balader avec nous et découvrir les joies de la mutation définitive. Oui, il faut le dire comme ça, le définitif, ça donne un petit côté joyeux et optimiste par rapport à toutes les cochonneries qui va nous arriver. Eh ben non, je ne le ferai pas. Là, je crois qu'on a pas mal zoné, c'est plus l'heure, et quand c'est plus l'heure, c'est inutile d'insister. On va juste se renseigner un petit peu sur ce qui nous attend en face pour accéder à cette tour, parce que vous avez vu que c'était assez tendu le précédent chrono. La flotte, elle est à gauche, on va éviter, on va rester gentil, on va longer la colline en espérant qu'il n'y ait pas un rétrécissement trop violent. Et puis, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, on y va. Ah, il y a encore ces trucs, je vais essayer d'en choper au passage. On y go. Action. Quand je vise une tour,
C'est toujours en panique. Quand je vise une tour, il faut qu'elle soit au milieu de la flotte. C'est bon. Il suffisait de pas foncer tout droit. Suivez-nous les petits là, parce que vous allez avoir un problème, moi je vous le dis. À moins que vous préfériez une cuisson instantanée assez violente, mais moi ma recommandation ce serait de faire comme nous. Oui, parce que nous on est malins, regardez. On est des très bums. Il est loin là, ça va, j'ai de la marge, j'ai du mou. J'ai tout le temps de me faire un barbecue. Oui, monsieur K, c'est toujours des rimes. Absolument génial. Qui font pleurer les animaux et rire les enfants. Ou l'inverse, c'est petit. On est bon. Qui c'est qui veut faire la phrase? Qui c'est le nouveau? Ah, il sait pas faire, hein. Tu sais faire la phrase? Eh, tu sais la faire? Où étais-vous? Bon, à toi. Arrête-toi! Arrête, j'ai dit! Bon, c'est bon, tu sais faire la phrase. T'es admis dans le groupe. On va se prendre ça, parce que ça va être utile. J'ai bien fait de la choper en passant. C'est notre fameuse transformation pour s'élever dans les airs. Elle est d'actualité. Oui, carrément. Plop. Ainsi, Wateu va devenir le leader du pack. Oui, le leader du pack. On fait de l'anglais avec Monsieur K aussi, c'est très fréquent. Et on est invité à passer au-dessus du cylindre, il me semble. Hein. Bah, j'ai bien cette impression, moi. Pour quel motif? Pour quelle raison? Peut-être pour avoir une meilleure vue, pour savoir qu'est-ce qu'on va attaquer. Atterrir sur le cylindre parce que le truc là, le pylône, non, ça marchera pas. Non spoiler. On est sur le grand cylindre. Maintenant, est-ce qu'on osera passer derrière comme on a fait précédemment pour une rencontre assez sauvage avec le mathématicien qu'on est supposé avoir tué, hein. Ils disent quoi dans le script? Ouais, je regarde le script. Trouver l'abject grâce de... On va passer derrière, hein, on est des oufs. Si la possibilité est donnée, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est que on n'a pas envie de le savoir. Et si on n'a pas envie de le savoir, on n'y va pas. Ah, suivez-moi! Wouhou! Le gadin de l'année. Pourquoi suis-je venu derrière le cylindre? Ah, c'est une très très bonne question. Est-ce que c'est safe? Ouf, pour l'instant, ça va, c'est calme. Il ne nous est rien arrivé de fâcheux. Est-ce qu'il y a une limite? Probablement. Oui, il y a forcément une limite. Et le jeu va pas m'accorder de m'éloigner autant que je veux, moi. Quoi, ça? Des cristaux, ça se récup, les gars. Eh, mais c'est pété de thunes, ici. Est-ce que mon avidité va me perdre? Ça, c'est une grande inconnue. Pour l'instant, je suis plutôt pour. Hein. Moi, la caillasse, on en a pas 36 000. Regardez ça, pour avoir 4 malheureux cristaux, tout ce qu'il faut que je ramasse. On croirait un livreur Uber qui essaye de se faire sa fin de mois. C'était méchant. Non, réaliste. Je ramasse. Je suis pingre. Je suis une pince. Qu'est-ce qu'il y a tout là-bas? Regardez comme ça brille. Est-ce que je suis en train de m'égarer totalement? Non, je sais très bien où je ne suis pas. Enfin, je sais très pas où je ne suis bien. Oh, j'en sais rien où on est. On va finir par trouver, il y a une limite, regardez. Oui, il y a une limite. Bien. Ça ne m'éclaire pas sur ce qu'on est venu foutre ici. Ah, oh, putain, on a encore lui. Mais comment on va se faire exploser cette fois? Les gars, vous laissez pas faire. Non. Alors heureusement j'en ai un qui est phosphorescent parce que je le repère bien loin. Mais... j'ai une idée. Non, j'ai pas d'idée là tout de suite. Vraiment. Mais même en cherchant, regardez. Oh la vache. Est-ce que c'était vraiment un bon plan de venir là? Surtout qu'on n'a pas d'armes pour lui mettre sur la gueule. Non, je crois pas. Avance.
Vache. Pourquoi je suis venu ici, moi? Alors, qui c'est qui avait les explosifs tout à l'heure? Ah putain, non! Changez-moi! Lui, il va être bien! On va lui faire la fête. Coucou, c'est moi. Viens me chercher, fais pas le timide, bordel! Ah, qu'il est con ce truc, je vais péter tout seul! Oh bordel! Je crois que c'est pas la peine de lutter, hein. On va avoir une bulle au cerveau à la fin, ça s'appelle un édème. Hein. Et on n'est pas là pour ça. On va survivre, on va continuer de ramasser la caillasse, parce que ça c'est des bonus qui sont assez rares, et mieux vaut en avoir sur soi que par terre. Et on va trouver un moyen de se barrer, parce que lui, je suis pas certain qu'on puisse le buter dans l'état où on est. Et lui par contre, il a une bonne idée. Il a une bonne idée de ce qu'il peut faire de nous. Il faudrait que je retrouve une bouche d'air chaude pour me réélever au-dessus du cylindre, sinon ça va vraiment pas le faire. Et je vais être vraiment très... Hop, les putes de la caillasse. Allez, on va le faire tourner. Level 2 calice, les yeux de velours. Hop là, level 2 calice, elle se met en boule, elle se casse. Hop là. Ah, il y en a encore là. Hop. Ah mais je ramasse tout les gars, je ramasse tout, parce que je pense que je vais perdre des membres. Ça y est, on a une bouche d'air chaud. Alors est-ce qu'on se casse sans l'avoir tué? Bah pour l'instant c'est le meilleur choix parce que je vois pas quoi faire d'autre. On est très mal barré. Qui c'est qui a la transfo pour... Non pas toi. Ah si c'est toi. Ouais. T'as pas dans son rayon, c'est mal. Ah reviens dessus. Ce bordel. On va y arriver les gars, regardez. Je gère. C'était quand même bien tendu. Hein. On va le laisser là, faire son boudin. Ah, reste dans l'air chaud. Purée de bon sang de... Oui, parce qu'on dérive, on glisse. On peut pas rester éternellement dans ce flux si on n'est pas pile dans l'axe au démarrage. C'est le chion-lit. Oui, chion-lit, le mot n'est pas exagéré. Je suis à peu près bon. On va remonter sur le cylindre, on va explorer de l'autre côté, mais... Cette aventure risque de finir très tôt. Et on va jeter un œil, rien qu'en vision, ce qu'on a là. Alors, j'ai une de ces énormes créatures qui a pété. Mais c'est un slower géant! Mais oui! Mais c'est là-dessus qu'on va aller faire nos emplettes, les gars! Alors, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Ça sent le truc qui bouge pas trop, là, pour l'instant, non? Regardez. On va aller jeter un œil, ça se tente. Non, mais il est mort, regardez, il est raide. Il respire plus. Enfin, il respire à peine. Qu'est-ce que c'est que ce collier? Est-ce qu'il faut le libérer? Est-ce qu'on est bien au bon endroit? Et est-ce qu'on va survivre? Vous le saurez après cette pub! Welcome to the Theater of the Eye. Rods and cones, report to the orbital side. How nice. We're trimming the toenails. What's that? Optic nerve. This is the brain. What's going on down there? The eardrum's going up! Go get him! We're having a breakdown, we're having a breakdown, we're having a breakdown, having a breakdown, we're having a breakdown, having a breakdown! What else can go wrong? Urgent synapse on line two. It's the sphincter. What is going on up there? Sega Saturn. He found the sinister creature that the Elder had told him about. However, this creature was still in the process of eating its meal, and it could take a long time for it to complete its terrible feast. They would have to keep going and find another. At least they now knew what type of creature to look for. Est-ce qu'on ferait pas péter ça? Moi, je pose la question naïvement parce que je suis naïf. Je
Je lui aspire l'œil pour voir. Non, ça ne fait rien. L'œil n'est pas sensible. Est-ce qu'on peut le visiter par la bouche? Moi, je suis très curieux. Non, il n'a pas la gueule ouverte. Si, mais il y a beaucoup de poils. Ah, oh, c'est dégueulasse. Ah, cette odeur. Ça me rappelle. Ah, vous voulez pas le savoir. Non, n'y allez pas, les gars. N'y allez pas. Il est dégueulasse. Bon, on va monter dessus. Des fois que. Qu'est-ce? Y a rien à récup, c'est triste. Oh le tri. On n'a toujours pas trouvé la bestiole qu'on voulait trouver. Parce que je crois pas que c'est lui. Alors il y a même un escalier pour monter si on n'a pas la bonne transpo. Il y a un truc là-bas. Mais tout suscite la curiosité dans ce jeu, c'est une horreur. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on y aille? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est une famille, de toute façon, on va l'idée. On va y arriver. Si j'ai une barrière magnétique, par contre, je fais demi-tour. Oh le trip. Où est ma créature nauséabonde et maléfique que je dois trouver? Bon les mecs, j'ai pas d'idée mais on va y aller. Squelette de truc qui n'est plus là. Alors, pour moi, les devs, ils ont fait ça. Oui, c'est moi qui crache un espèce d'acide dégueulasse. Et ça fait fondre les méchants. Apparemment, j'ai bien l'intention de m'en servir. Regardez-le comme il se carapate quand il y a un très bum maintenant qui est énervé. Ah mais j'ai bien l'intention de lui faire la peau. Hein. S'il y a moyen. Non, il n'y a pas moyen, hélas. Dans les recettes, regardez en haut à gauche, on nous a suggéré de faire une transformation de manière définitive. Il me manque un ingrédient, un petit ingrédient, malheureux, tout seul, isolé, abandonné, yeah. Qu'il faudra forcément que je trouve à un moment. Et en ce moment, c'est ma spécialité. J'ai beaucoup de recettes comme ça où il me manque un ingrédient pour avoir la transfo définitive. Est-ce que ma famille est au complet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec moi ça fait 7. Ok, on n'a pas besoin d'activer l'autre gars. Derrière le cylindre, il y aurait moyen de passer. On est allé faire un tour préalablement. Oh putain, faut le récupérer celui-là! Bah oui. Qui c'est qui avait la transfo? Toi? Oh putain! Je me suis pris ça sur la gueule, mais j'ai récupéré de quoi finir ma transfo. Venez les gars, on va dans un coin plus calme. Pourquoi je parle très vite? Vous ne le saurez pas. On va finir notre transfo, les mecs. Qui c'est qui avait... Ah, faut retourner dans ça. Regardez. Hop, arbre des mutations. Et là, je permute. C'était pas celui-là. Non plus. Je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Oh, elle est où cette couillonne de transfo de nom de Dieu? Ça! C'est à nous! On va continuer d'avancer parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à explorer ici. Ah si, regardez! Le jeu est vraiment blindé en choses à explorer. C'est ouf. Alors la base, c'est une cinquantaine de mutations, je rappelle.
ce qui fait pas énorme en fait pour un arbre. Mais finalement... D'accord, c'est le truc qui avait l'espèce de blob. Je vais pouvoir me défendre, c'est chouette. Est-ce qu'on a 11 du coup? Parce qu'il y a peut-être encore plein de choses à récupérer sur cette carte. On est toujours 7? Oui, on est toujours 7. Passer de l'autre côté du grand cylindre, on a vu que ça n'avait pas une énorme utilité. Dans les environs, j'ai pas de choses qui me tapent à l'œil spécifiquement. Donc oui, on va aller dans le grand cylindre. On va aller dans le prochain pylône, pardon. En espérant qu'il nous arrive pas de blague, genre un précipice. Ou une montagne même qui s'érige. Ou un grand lac. Ce qui pourrait être très désagréable. Oh putain, lui, j'ai dû faire la blague. Il va pas être content. Oh, je l'ai défoncé! C'est magnifique. Mais j'ai fait avancer le grand cylindre. Je suis passé dans le champ magnétique, les gars. On va peut-être se manier un peu la truffe. Bip bip. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y. Mais allons-y, enfin. Bouge, 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 bouge. On verra plus tard. Pas de temps pour les autographes. Non, un sondage, je m'en fous. Et sauver les... Non, c'est trop tard. Bon, on avait large le temps, mais j'ai préféré me tirer en avance parce que la dernière fois avec le cylindre de la course, ça a été absolument affreuse. Tendue. Et pleine de suspicion. Ça tousse derrière ou bien... Glup, qui veut un caméléon? On va manger parce qu'on le mérite bien. Et je vais muter encore parce que je le mérite bien. Pas de blague, le cylindre. Oh, tu t'arrêtes! Regardez-vous, ça. Non, 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 non! Mais il était mort! What the frag? On a tué le mathématicien, mais il est encore là. Ça veut dire qu'il y en aurait d'autres. Il a des frères, des sœurs, des cousins. En tout cas, il se fout bien de notre gueule. Il y a quelque chose qui fait démuter par ici. Il va falloir se barrer. Ah, barrez-vous! Je perds tout! Je perds tous mes moyens! Venez avec moi les gars, venez avec moi les gars, I have the plan, comme toujours, j'ai toujours des plans. Pas forcément des bons, mais putain, oh, ça nous suit, ça, c'est pire que la pécole. C'est quoi la pécole? Vous voulez pas savoir. Ah, j'ai un hôtel pour ressusciter des potes en plein milieu là. Est-ce que ça aura un intérêt à courte échéance, à longue, à moyenne? Le truc nous lâche pas là, il nous lâche pas. Lâche-nous! Truc dégueulasse! Ah, je peux pas interagir avec ça tant que je suis en aggro. Ok. Au moins on est protégé. Il s'est barré. Donc les amis, on va réfléchir doucement. Notre recette là, pourquoi on peut toujours pas la faire? Moi je veux des réponses à mes questions. Ah oui, non mais je suis comme ça maintenant. Je suis un petit peu numéro 5 dans ce film bien connu qui s'appelle Short Circuit. Ouais, les vieux, dites pas que vous avez jamais regardé ça et que vous avez pas adoré. Ouais, c'était vachement bien. Alors, je cherche quelle mutation je pourrais activer en dur. Alors, il me manque un petit crabe là, ce serait bon. Qui c'est qui veut se mettre en mission pour les petits crabes? Ce serait sympa. Surtout, vous avez tous démuté, bande de nazes. Enfin, pas toi, mais bon, toi, tu comptes pour du beurre.
On va chercher le petit crabe. Non, t'as pas le droit de nous agresser, toi. On est en zone... C'est la principauté d'Andorre, là. Tu arrêtes tes conneries. Amigo, un petit crabe. Le premier qui voit un petit crabe, il hurle. Il gesticule. Il bafouille et il dit... Crabe ! Alors, le mine de rien, on s'est fait démuter, mais c'était voulu par le jeu. Il l'a volontairement cherché. Parce qu'apparemment, il y avait un de mes trébums qui avait une mutation qui l'emmerdait pour continuer. Et du coup, maintenant, on est free pour se déplacer. Oui, on est free, mais on cherche un crabe. Qu'on ne trouvera peut-être jamais. Attention, il viendra sur nous! Passez pas dans le mur magnétique, les gars. Faut trouver un crabe d'abord. On va se mettre un ordre sur les choses, des priorités dans la vie. C'est important, c'est comme ça qu'on est velu et qu'on fait voir qu'on est quoi? On est des trébums! Non! On est une famille! Non! On est civilisé, crétin! Ah. Alors comme par hasard, je ne trouve pas de crabe sur ce niveau, bien entendu, pour terminer ma recette. Tout comme je ne trouve pas de moyen de finaliser celle qui est en vert à l'écran et que le jeu ne veut pas me valider. Je le déteste. Qu'est-ce qu'il est méchant. Vous savez quoi les gars? On va passer dans le mur bleu, il y en a marre des plaisanteries. Il y a un vert, mais il n'y a pas le petit crabe même. Je suis tristitude, je suis dégoûtage. Je suis fromage battu, même pas allégé. On y go, on va faire quoi? On va traverser, parce qu'on est quoi? Civilisé? Non, des trébums, connard! Comment je vais atterrir en face? Alors là, on peut passer par le côté gauche, on peut passer par le côté droit, mais je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui est plus prévu que l'autre. Côté droit, il y a de la falaise abrupte, donc moi, ça m'enclin pas à aller le visiter, le truc. Je me dis plutôt, à gauche, ce serait sympa. Et cet hôtel qui n'était pas utilisé tout à l'heure, je vais pouvoir en faire quelque chose cette fois. Mais je crois qu'on est déjà 7, hein, donc c'est peut-être pas la peine que je ranime quelqu'un. Ah, ce petit moment de calme vous est offert par les matelas insérés sponsors ici. Il me propose de ramener des gens, mais j'ai tout le monde. Donc ça va pas servir à grand chose. Ah, il n'y a plus d'Odin. Oh, mais d'Odin quand même. Non, mais ma troupe est pleine déjà. Puis j'ai pas assez de gold. De pépites, de diams, de cristaux, donc it's dead. Zed, il est comment? Il est pareil que nous, il est dead. Je veux bien ça, moi. Ouais, je peux pas rester dans l'eau très longtemps. Moi. Non, pas très longtemps, sinon on crève. Ouais, qu'est-ce que je pourrais me récupérer d'autre? Stocker les gars, ça a l'air bien ça. Stocker. On va peut-être bouger. Ouais, on va bouger. Je reviens à mon histoire de gros cylindre. On va passer sur la gauche, même si c'est pas évident, même si c'est pas écrit dessus comme le port salut. C'est d'une crédibilité qui est déjà plus intéressante que par la droite. Adieu endroit idyllique où on aurait pu mourir. Ouais, adieu endroit idyllique où on aurait pu mourir. Adieu, ingrédients qu'on chercha et qu'on ne trouva jamais comme David Vincent. On va rouler, parce qu'on est quoi? Oh, on a plein le cul, on est des trébums. Go! Action! On y go. Alors, par où on va se l'aborder, ce truc? Passer par la flotte, c'est impossible, c'est pas autorisé. Le trébum n'a pas le droit. Donc, faut que j'aille tout à gauche, là-bas. Si tant est que j'en ai le temps, et après que je revienne tout à droite. Si tant est que j'en ai encore le temps. Et ensuite, peut-être que j'aurai le droit de vivre encore un petit peu pour aller jusqu'au grand cylindre. Oui, bravo, il y en a un qui suit, bravo. On est pas mal, là, on est pas mal. C'est un peu le chaos sur le relief, mais on est pas mal. Oh merde. C'est pas le moment, Jean-Michel. On a déjà d'autres trucs.
Mais c'est gentil d'avoir proposé, on reviendra. Les gars, j'ai une crampe, qui c'est qui m'emplace? Ah non, mais j'ai vraiment une crampe, je vous jure. Le terrain n'est pas vraiment très opportun à faire du freestyle. Et je sens que le grand cylindre, je l'ai pas loin là, je l'ai pas loin du tout. Oh là là, le chaos! L'anarchie! On est mort les amis, je le pense, je le fais. Ah, il y a un peu de ça, hein, ouais. Ah, qui c'est qui va y arriver? Personne. Et là, vous sentez cette odeur de poils roussis. On est presque bon. Ouf, ouf, ouf. Lui aussi, il est presque bon. Nom de tous. Alors, j'ai perdu un membre du crew. Ça a pas l'air grave comme ça, mais ça peut l'être s'il trimballait des ingrédients précieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est plus que 6. C'est la miarde, les gars, c'est la miarde. Apparemment, on m'invite aussi. Apparemment, ce sera le mot du stream. À récupérer cet objet, cette transfo, que je vais choper avec lui. Plop. Pas de blague, hein, les gars. Non, personne t'a dit de t'arrêter, t'aurais pu continuer, t'es con. Ah, on y go. Est-ce qu'on prend cette transfo tout de suite? Plonk, il me dit. Ok, ça veut dire que c'est un truc qui se jette contre un mur. Ouh, regardez, je crois qu'on a trouvé. On a trouvé qui de droit. Oui, il y avait Guy de graine et il y a aussi qui de droit maintenant. Bim, je prends ça. Je fais ma transfo, tranquillo. Et maintenant, on va trouver une stratégie pour essayer de se faire cette bestiole qui apparemment est une espèce de tuyère sur pattes qui est faite pour attraper les sloirs géants. One of the creatures was walking around carelessly in the corrupted plains of what was left of the world. All the Trevum needed to do was to steal its core, or more precisely, the core it had stolen from whatever poor Trefala it had eaten. But the creature, though slow and uninterested in the tiny Trevum, had a frightful layer of teeth protecting its prize. Could a nimble enough Trevum snatch that prize right out of its jaws? Ouais. Moi je dis ouais, pourquoi pas. Faites gaffe, il y a un dégueuleur. Ah oui, non, mais les dégueuleurs sont une plaie, c'est connu. On va s'attaquer aux bestioles les unes après les autres avec discernement, ce sera bien. Sinon, ça risque de partir en sucette. Je vois que j'ai des trucs pour m'élever régulièrement. Ça veut dire qu'il faut que je me fasse impérativement aspirer dans la bouche du grand babu. Alors, on va l'appeler le grand babu, hein. Pour l'instant, on n'a pas trop de qualificatifs pour lui. Il est passé par ici. Bah, je pense que forcément, il repassera par là. On a un bout d'idée, les gars. Donc maintenant, le reste de l'idée, ça va être de passer dans les flux d'air chaud et essayer de se faire gober par ce truc. Et lui exploser dans la tronche. Oui, je sais, c'est risqué. Il risque d'y avoir des morts. Mais que voulez-vous? La vie est un risque, hein, déjà. On y va. Si je suis optimiste sur ce coup-là, à fond. Merde! Ça n'a pas fonctionné. J'ai déjà me chronométrer. Ah, je suis bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 8, on est dans sa gueule. Vendu. Mr. K has a plan. Oui, mais quoi? Il va se faire péter dans la gueule de ce truc. Oui, mais quand? Bon, 8 secondes. Faut juste qu'il calcule bien. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ah, il y avait une idée, hein. Là, le mec, il rigole. Il est au-dessus, il se fait... Et je crois que j'ai entendu un petit prout. Quel était ce petit prout? Ça se présente comment? Ça se présente pas mal, les gars. Faut juste calculer tes secondes, maintenant. Là, je trouve qu'on n'est pas dégueu. Ouais, on n'est pas dégueu, là.
Prague, yes. I mean. On l'a eu, mes tutus. Ça, c'est pour la route. Et qui c'est qui a pas de, qui a de la place dans ses poches, là, les amis? Toi. Allez. Tu vas aller chercher ce petit chef-d'œuvre collector, là, qui est posé ici. Ça veut pas lâcher, les mecs. Les mecs, ça veut pas lâcher. Comment on fait? Ah, c'est bon. Est-ce que je m'active cette mutation hélico? Moi, ça me tente. Bah alors, vraiment. As soon as the Trebor mutated, it began to feel a call, as if it was being drawn to some place nearby. It was now the master of song, and it was time for its voice to be heard. A memory awoke within the Trebor of an ancient ritual. A song at the top of a Trebor tower to forge a bond between Trebor and Trefala. That was the purpose of these structures, and luckily, one was nearby. Vous inquiétez de rien, les gars, c'est une petite séance karaoké, je reviens. At the top of this tower, right here in this place, and with the proper mutation, now was the time for the Trebor to sing. Vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts? Ok. Who calls for us in this time of darkness? Who has learned the ancient song? Have our old friends remembered us? Hear our voice, Trebor. There is little time left, and much is at stake. It was long ago that your people sang to the heavens. Your song traveled far into the cosmos, and we listened. Here on your world, we made a new beginning, leaving behind the sorrows of our history. We began to build a better world, a world of friendship and harmony. But the beauty of your song pierced time and space, far into the darkest and coldest corners of the universe. That's how the cylinder found us. And when it came, it took everything from us. The bright future we had dreamt of is gone. But we bear you no ill will, old friends. Silence may be safer, but what is life without song? You reached out to the stars, because you were full of hope, and that hope must be preserved. We know what you are trying to accomplish, and we will help you, but we require your help too. See me strike at the abomination, and then meet me where only shattered pieces are left of the evil that I have undone. Bien, bien, bien. Oui, forcément, ça attire l'œil. Alors, on a l'endroit où les débris sont tombés. Par là-bas. Et l'endroit où y a des trucs à faire. Par là-bas. Que croyez-vous qu'il arrive à... On va déjà aller par là. Hein. Oui, curiosité, tout ça. Alors, on va profiter du moment de calme aussi. Oui, j'analyse. J'analyse.
du moment de calme pour faire un petit peu le point dans tout ce qui se passe là. Ah, il y a du gaz là, faut qu'on se barre. Il y en a qui n'ont pas la protec. Il me manque une limace et puis toujours ces petits 9 Pinky Poo roses là. Oui, des Pinky Poo, je vais les appeler. Joli rebond contre. C'était pas l'objectif, mais tant pis. On va aller voir ce machin bleu. Hop hop. Merci. Ça a l'air sympa. Je sens l'amitié sincère et la riche entente. Et le bonheur de la nouvelle rencontre aussi. Ça impressionne, les gars, ils mouffent pas. The voice urged them to go forward and reclaim the memories of the Trawala. Ok, on absorbe, on absorbe. Surprise. Donc j'ai un fragment d'équivalent. Il va falloir que j'en trouve plein d'autres. Alright, on n'a plus qu'à partir faire avancer le grand cylindre. Oui, ça tombe bien, la tour est juste à côté. Est-ce qu'on se fait une mini-aventure entre-temps? Je pense pas que ce soit très utile. On a fait le tour de ce niveau, tout s'est presque bien passé. Et on est donc bon pour partir, désormais. En toute sécurité. Allez, venez, Mord, c'est moi qui rince. Ah, ça va être tranquille, Bill. Alors, on va prendre tout notre temps pour bouffer un petit peu en regardant le cylindre arriver là-bas. Ou alors, on prend de l'avance si on est malin. Moi, je crois qu'on est malin. Non, mais je le sens pas, cette colonne là, il y a de la blague dans l'air. C'est beaucoup trop simple. Oh, il y a encore une de ces grosses créatures. J'espère qu'on va pas devoir. Ah bah si, on va devoir se retaper ça. Alright!
Il était plein d'entrain. C'est de l'élan, vous me direz, mais bon, il était plein d'entrain quand même. Donc on est bon pour se retartiner cette machine. Oh là là, plus une autre machine qui balance des parasites. Qu'il va falloir qu'on neutralise. Aïe aïe. Et tout ça, ça va être probablement l'objet d'un prochain stream. Ah, il y a des chances. Il y a vraiment des chances, moi je le dis. Voilà, pas derrière nous. Non, on en a un là-haut. Rien que pour faire quoi? Rien que pour ennuyer. Oui. Et donc, il va falloir qu'on dégomme ce petit monde. Est-ce que j'ai de quoi remonter au moins là-haut? C'est ça qui me fait rire. Non, il n'y a même pas un puits d'air chaud. Que dalle. Donc, ce sera bien l'objet d'une prochaine session dans The Eternal Cylinder, les amis. Je vous laisse, on va casser la croûte, faire une petite sieste, et puis aviser de qui serait le premier plus méchant. Oh putain, ça démute, on se casse.